La ville de Tarfaya, dans le sud marocain, abrite le plus grand parc éolien en Afrique, d'une capacité de 300 mégawatts. De quoi faire tourner l'ambition de ces jeunes des provinces du sud vers les métiers des énergies vertes. Pour entrer de plein pied dans cet univers fascinant, une seule adresse pour eux, l'Institut de formation dans les métiers des énergies renouvelables de Tarfaya. Cet institut m'offre l'opportunité d'être formé au métier des énergies renouvelables et d'élargir mes connaissances en la matière. Je suis une habitante de la ville de Tarfaya. Cet institut est venu rapprocher cette formation dans les métiers d'avenir des jeunes de la région. Nous sommes assoiffés de connaissances en matière d'énergie renouvelable. En accédant à cet établissement, je franchis un premier pas vers la réalisation de mon rêve d'enfance. C'est le premier institut du genre au Sahara marocain. L'enjeu est d'accompagner le vent de transition énergétique qui souffle sur le royaume. Une belle dynamique portée par une stratégie nationale énergétique lancée en 2009. Pour gagner ce pari, il a donc fallu préparer les compétences nécessaires à cette révolution verte. La formation que nous dispensons comporte deux étapes. Une phase théorique pendant laquelle les stagiaires acquièrent toutes les règles de base de ce domaine. Ils arrivent également à avoir une idée sur la composition et le montage des turbines éoliennes. Et pour la partie pratique, les stagiaires développent des aptitudes manuelles. La mise sur pied de l'Institut spécialisé dans les énergies renouvelables vient accompagner les projets lancés dans les provinces du Sud. L'objectif est de pourvoir une main-d'œuvre hautement qualifiée. L'Institut de formation dans les métiers des énergies renouvelables de Tarfaya s'érige également comme un pôle de compétences au service des entreprises. Il propose des offres de formation continue et d'assistance technique en fonction des besoins des professionnels du secteur.